L'Oriental Fashion Show a bouclé la première édition du Maroc Fashion Week avec une soirée de défilé célébrée à l'hôtel Mandarin Oriental à Marrakech. Ce deuxième et dernier défilé du Maroc Fashion Week consacré à la couture a donné à voir une succession d'idées innovantes conçues par 9 créateurs de mode marocains et étrangers. J'aime utiliser les matières soyeuses, tlija, johara, ce sont des matières anciennes, des textures anciennes que j'utilise toujours dans mes collections. Et j'ai aussi la deuxième ligne qui est très, c'est la robe caftan. C'est un vêtement qui est plus léger, plus facile à porter et surtout il donne une certaine ouverture. Envoûtés devant un show exceptionnel, les célébrités invitées conviées à ce spectacle ont pu découvrir les dernières créations du prêt-à-porter, mises en scène par une pléiade de jeunes talentueux créateurs de mode. Mes créations sont un peu différentes par rapport aux autres parce que je suis designer, j'essaie de suivre le fil conducteur, j'ai ma touche, c'est toujours la même couleur, mais je joue sur plusieurs découpes et je cible 3 ou 4 clientes en même temps dans la même collection. Très fière de participer à un tel événement qui donne beaucoup de rayonnement culturel à notre pays. L'Oriental Fashion Show, qui organise depuis sa création en 2004 des défilés de grande envergure dans les plus grandes capitales du monde, se positionne comme un leader dans la mode orientale et un incubateur de talents au-delà des frontières.